Yes, my name is Arcon, we're back tonight for another episode of... Je rigole les amis, ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est bien fucké ça. Ok, attendez. On va monter jusqu'en haut. What the fuck? Kit. Suprême. Yes, c'est juste que j'ai besoin d'une pioche. On va voir. What the fuck? C'est bien bizarre. The fuck? Ok, checker ça, ok. De ce côté-ci. Regarde, ici, sur le bord du mur, on est en... What the fuck? On a un truc non-claim. Fait qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est dans le fond qu'on pourrait juste bloquer l'eau. Puis TNT. Ok, attendez une minute. Là. Faut que je vois. Je connais pas Psy Fight exactement, les amis. Là. Pas très bien, ça. Faut trouver. Mais je pense que si on bloque l'eau, on peut facilement rentrer là-dedans. Je trouve une solution, je reviens. Oh my god. Le gars, il me dit, ouais, je veux te donner ma sky et tout. Le gars, il me TP kill, en fait. Je peux pas. F enemy. Nathan. Un gros fils de pute, quoi. Il s'est fait trapper à son propre petit jeu. J'espère que je vais être capable de le tuer. Au pire, on s'enfuira, c'est pas bien grave. Il est un peu con quand même. Ok, pensais-tu vraiment qu'il allait m'avoir? Espèce d'idiot. Bon ben, on va mourir ici, les gars. Gros fils de pute. Je savais pas que le TPK était autorisé là-dessus, sur ce serveur-là. On peut pas miner, on peut rien faire. On a pas de pommes non plus. Donc, RIP. C'est un petit fils de pute, quoi. Niveau bien 100 000. Il va faire quoi, un P4? Ouh, GG, mon ami. J'aurais jamais... Je savais pas que c'était autorisé sur ce serveur-là, donc je savais pas, moi. Il y a aucune chance qu'on gagne, les amis, si jamais vous vous demandez pourquoi je run. Sans mots. On se reprend, les amis. Donc, ouais, finalement, j'ai pas trouvé de façon de raid la base. Bah, peut-être que vous allez savoir. Mais bon, on va commencer par une clé. En tout cas, en espérant qu'on peut avoir quelque chose de bon. On va ouvrir 10 clés aujourd'hui. En espérant qu'on peut avoir quelque chose de bon. Deux Xenotium. Great, 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 dude. C'est super, ça. C'est un bon début. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette caisse-là, d'ailleurs? On a gagné un des trucs les plus rares, je crois. Ouais. Nice. Alors, 10 clés, les amis. En espérant que tout ça... Oh, on peut faire slash stats, ça fait quoi? Genre, on peut voir nos stats et tout. N'est pas un argument valide. Oh, ok, si on fait slash P, on peut voir que j'ai richesse 0$. Pourtant, j'ai quand même 20 000$. YOLO. Puis là, si on clique ici, on peut cliquer pour voir les infos, les enders, les KTH. Yo, c'est vraiment bien codé, ce serveur-là. Bon, bref. Je découvre des trucs chaque jour. 10 clés, les amis. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va avoir sur 10 clés? Please, c'est juste de bon. Ouais, c'est pas super vu qu'on peut pas les crafter, je pense. Come on! Deliver Breaking 3. Pas le meilleur. Ouais, c'est pas le meilleur du tout, même. Let's go, come on, man! Un spawner, please! Comme ça, on pourra commencer à créer notre farm. Un kit P4. Je prends. De toute façon, dernière fois, on a perdu notre P4 dans la séquence, de toute façon. Let's go! Népété 5 en obsidium. Not bad, on pourra l'échanger anyway. Let's go. Plus que 5 clés, les amis, après celle-ci. Come on! Spawner! Oh, un corps en Xenotium. Yes, sir, boy. Ça, c'est super bon. Fais des vidéos, Russ. Yup, mon ami, t'inquiète pas, je vais en faire plus. Come on! Ouh, 3 orbes de réparation. What? Nice, man. On pourra les vendre encore contre des points boutiques. Ça pourrait être pas super. On pourra peut-être juste les échanger. Une Xeno TNT aussi qu'on pourra vendre contre des points boutiques. Ça, c'est nice. Let's go. Là, on veut des Xeno. Il nous reste 3 clés. Let's go. Come on, Spawner. Ouh.
Ouh! Ah, c'est ce cookie. Ça, c'est genre le truc le moins bon dans le truc, j'ai l'impression. Genre, je sais pas à quoi ça sert ces cookies-là. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je sais toujours pas à quoi ça sert ces crises de cookies-là. Des livres en breaking trop pour les mettre là-dessus puis les échanger ou les vendre après. Donc, c'est pas si mal, tu vois. Let's go. Dans ma clé, les boys, un spawner pour terminer. Ce serait magnifique! Ah, et on va terminer avec 6 cookies. Donc, mieux que rien, mes amis de l'internet. On va aller voir en haut dans notre under chest qu'est-ce qu'on peut faire. Un, on va mettre notre Pikachu sur nous. Vu que le petit Nathan nous avait tué en TP kill, ce qui était plutôt pas très mature, hein, vu que je savais même pas si c'était autorisé ou quoi. Il me suçait la bite, il fait genre « Oh, écoute, s'il vous plaît, je vais te faire un don, écoute, s'il vous plaît, hein, écoute, s'il vous plaît, hein. » Comme ça, fait que, genre, tu sais, je me suis senti obligé, là. Attends, what the fuck? Comment on craft des... Attends, je pense qu'on a assez pour le faire. Menu des crafts. Obsidium. Les bots, c'est comment? Ah ben, dude, on a assez pour les faire. Tac, tac, tac. Ok, I guess non. On peut plus crafter les armures obsidium. The fuck. Ça m'énerve, ça, mec. Ah, voilà. Chris, mettez-le correctement dans votre wiki de merde. Merde! Oups, pas ça. Obsidium. C'est quoi les bots? Ça dit de le mettre comme ça, ça marchait pas, hostie. Bon, moi je suis pas capable de crafter épée obsidium. Si tu veux, je te vends une pour... Je te vends une T5. Comme ça, c'est genre, on va peut-être négocier un petit stuff de contrat, un petit truc comme ça. Donc on va mettre ça U3. Ok, de 1, ça, on n'a pas tellement de besoin de ça. Voilà, on va mettre ça U3. Et on va... Ok, tout de suite. Les gars, je voulais réparer mon casque, tu sais, genre comme ça. Mais je clique dessus, ça marche pas, genre... Je sais pas comment ça fonctionne. Donc, ben, rip. Dans le fond, rip. Rest in peace. Oh, c'est pas ça que je veux faire. Je voulais le réparer, tu sais. Je voulais qu'il soit sexy et tout. Mais bon, ça a pas l'air de vouloir marcher. Donc, je vais aller me suicider. Adieu. Ok, les gars. Je sais que ça va faire vraiment fils de pute ce que je dois dire, mais genre, j'ai tellement la flemme de tout fusionner tout ça, ok? Genre, mais genre vraiment énormément la flemme, ok? Que je vais tout vous donner. Toute ma base. Avec tous ces items-là, ok? Je vais genre tout vous les donner, ok? Genre, je vous donne les coordonnées maintenant, puis vous allez pouvoir venir la chercher, ok? Puis je vais même rajouter, genre, ça, puis. Non, je vais pas rajouter ça. Je suis pas gentil encore. Non. Ok, désolé, j'ai genre été ennuyé. Donc, je vais vous laisser ce P4 là. Je vais aussi vous laisser ça, puis... Bon, les deux T5 dans le fond. YOLO, parce que je vous aime. Je vous laisse tout ça. Ça, je vais garder quand même. On sait jamais. Ça peut toujours être pratique. Et puis, le reste, ben, vous allez vous promener là. Il y a sûrement du P4 qui traîne ici quelque part, peut-être. Je sais pas vraiment, en fait. Je pourrais être bien franc avec vous, je pense pas, mais on sait jamais. Ça... Oh, ouais, j'ai vu un P4 ici, quelque part. P4. Il y a du P4 qui traîne, les gars, ça que voilà. Des coordonnées, c'est 6000, 9000. Et puis là, moi, je vais faire Dell Home Base. Voilà, vous pouvez venir chercher les coordonnées de ma base. Et puis voilà, il me reste juste mon Home Raid, comme je vous ai montré tout à l'heure, plutôt. Voilà quoi, vous allez voir. Plutôt de la merde, je sais pas trop comment arrêter ça. Ben, je sais que c'est possible, tu sais, je veux dire, genre. Je suis pas con, là, tu sais, je veux dire, c'est faisable, mais j'ai la flemme de piston pis tout, genre. Je sais pas, man. C'est genre de raid-là, ça m'intéresse pas tant que ça. Fait que, voilà. Je vous reprends, les amis. Ben non, en fait, je vais vous laisser ici. Parce que, ben ouais, dans le fond, je vais vous donner ma base. J'ai ouvert les clés avec vous. Je me suis fait TP kill. C'était plutôt fils de pute, mais bon, voilà. Et puis, ah oui, RTP. Je vais vous donner l'épée en obsidium dans un coffre caché en plus. Donc, c'est comme ça, c'est juste les gens qui auront été là jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez pouvoir obtenir une épée en obsidium. Là, on va juste venir chercher deux bouts de ce qui a posé l'arbre. Ok, ça a du sens ce que tu viens de créer, mon beau. On va prendre deux bûches de bois pour faire un chest. Oupidoubidou.
On va RTP. Non, 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 et non! Faut attendre, ok. Parce que je m'aurais re-TP, mais ça a l'air qu'on n'a pas le droit. Boom, boom, Stashcraft. On va pouvoir faire ça. Ça, boom, voilà. Un petit slash hit, et on va cacher ça. On est où à peu près ici? Ouais, ça a du sens, ça là, mes beaux petits amis. On va cacher ça ici, là, là. On va mettre ça là. Boom, badaboom. On va vous mettre ça, ça, puis ça. Puis on va mettre l'épée en obsidium dans le milieu. J'en mets un truc ici. Boom, je vous donne les coordonnées. À vous de venir, les amis. C'est un compte, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est connu, pas de pouce bleu, sous-titrage, pour la vidéo. C'est un compte, ciao! Oh, je voulais pas casser ça. Ciao.